J'espère que vous allez bien. Vous avez intérêt à aller bien. Hein? Une blague. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ici, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, on est posté ici. Donc on nous prête le terrain. Et du coup, moi j'ai mon petit coupe-coupe. Et je m'occupe des cocotiers. Alors j'attends que le soleil baisse un peu parce que là il fait énormément. Étant donné que les herbes fraîches qui passent avant, mais qui servent normalement de lisière uniquement, je vais les couper. Voilà, voilà cette partie-là. Ce qui permettra justement à toutes ces autres branches qui vont vers le haut de pouvoir continuer à pousser, avoir plus de force parce que ça donne pas justement de la force ici. Et donc je vais couper tout ça et tous toutes les branches que je vais avoir, je vais les mettre avec le paillage. Donc, je vais les recouper en plus petit avec les feuilles et je vais le remettre sur le paillage que je vais remettre encore par dessus par la suite. Je vais mettre un peu de sable histoire que ça tienne. Et voilà, paillage, donc herbe plus paillage, et réarroser demain, et puis après ça poussera comme il se doit. Donc en termes de paillage, ici on a les fils là-haut, c'est un peu comme des sapins, et voilà, ça laisse des petites épines comme ça, et c'est avec ça que j'utilise pour faire le paillage en fait. Donc voilà, donc ça risque pas de repousser, puisque pour repousser il faut carrément prendre une branche et un pied quoi, en fait il faut faire des boutures. Donc, mais ça ne repousse pas, ce sont des feuilles sèches. Donc du coup je vais les réutiliser pour faire le paillage. Donc c'est plutôt bienvenu. Vous voyez que là il y en a beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut là en termes de épines, on va dire feuilles. Là que tout se passe, et le hamac, la tente, c'est sous les fils là-haut. Et du coup ici il y a un pied de baobab. Lui il a besoin juste un peu d'eau quoi.
besoin de beaucoup d'eau. Donc, de temps en temps, il y a l'humidité le matin, donc ça travaille tout seul. Et il n'y a pas d'autre encore comme arbre ici, à part si là-haut, il y a ceci aussi. Alors j'ai oublié son nom. Et ça pousse très bien aussi dans le sable et dans tout ce qui est salé. Donc je ne touche pas, mais on a ce que je vais utiliser justement pour mettre sur le paillage. Ça pousse aussi ici. Donc je vais le laisser là. Quand ça va bien prendre, je vais l'arroser un peu histoire que ça prenne bien, que ça longe. Et quand ça fera plein de feuilles, ben, ça protégera un peu la racine de cet arbre-là. Donc voilà en termes de perma. Et on a aussi, d'ailleurs c'est ce que j'ai vu là, et je vais le prendre pour faire d'autres plantations. Donc ici on a ça, d'ailleurs qui regorge de... pas de mouches, mais c'est pas des mouches, c'est des sortes de grosses abeilles quoi. Je vais en prendre quelques morceaux pour pouvoir planter d'autres arbres, donc déjà creuser, mettre ça dans le sol pour que quand on arrose, justement ça arrose ça et ça permet de garder l'humidité plus longtemps. De toutes les manières, rappelez-vous, je vous le remets là-haut. Il y a la petite vidéo que j'avais déjà fait là-dessus dans la forêt de maison. Et donc voilà, je vais utiliser tout ça pour pouvoir mettre un peu plus de verdure dans tout ça. Parce que vous le voyez, c'est un peu... Alors il y a d'autres vidéos qu'on a fait sur les westerns. Et voilà, ça ressemble un peu à un western quand on regarde bien. Voilà, on se croirait dans un western. Et du coup, le but, c'est un peu de mettre un peu de verdure par là et d'arbres par là aussi, histoire d'avoir une protection, avoir quelques arbres aussi un petit peu au milieu pour avoir une bonne protection. Et du coup, voilà, donc c'est le spot. Comme vous le savez, ici, c'est pas chez moi, mais la nature, c'est chez nous. Donc, on fait au mieux justement pour qu'on soit paisible. Même si c'est pas maintenant, c'est peut-être plus tard. Et qui sait, peut-être plus tard, on sera au même endroit. Il faut rester connecté pour pouvoir savoir la suite. Donc, vous connaissez déjà la chanson. Appuyez sur la cloche de notification, abonnez-vous. Et puis, partagez au max et mettez un petit pouce. À très bientôt. Ciao. Nous y revoici. Au lieu de prendre ces belles feuilles là hein, qui sont assez rares au niveau du sable, j'ai préféré prendre ça. Alors on en trouve un peu partout, et comme ce sera à couper tôt ou tard, donc j'ai préféré prendre ça. Et quelle découverte, super découverte. Ah ouais, c'est que là dedans il y a de l'eau, il y a du lait. On aurait dit des sortes de... Voilà, il y a du lait, on aurait dit des bestioles en fait. Regardez. Et quand on appuie dessus, il y a de l'eau. Donc l'idéal, je vais l'utiliser pour le mettre sur le paillage et pouvoir sur le paillage et pouvoir remettre du paillage encore par-dessus. Avec ça, ma petite mixture. Made in me. Non, made in les vaches. Donc voilà, avec quelques excréments, on va faire un bon petit fumier. Donc voilà, je laisse ça tremper et je vais mettre ça sur la base des cocotiers où est-ce que j'ai déjà mis le premier paillage. Avec ça, donc déjà ça, par la suite ça, et remettre un paillage par-dessus. Et demain matin, tout à l'heure plutôt, je réarrose pour bien humidifier le tout. Et là, on peut rester un bon petit moment sans arroser. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis après, c'est pas dans les médias, mais passer à la section agriculture. Parce que c'est bien beau, on mange pas que des noix de coco, on n'est pas dans Koh-Lanta ici.
Donc du coup, on va manger aussi des choses. Donc il va falloir aussi faire pousser certaines choses pour qu'on puisse manger. J'ai déjà fait une petite expérience avec les graines d'une tomate. Donc là, ça fait à peu près une semaine ou deux. Donc j'attends encore voir si ça donne quelque chose ou pas. Et si ça donne quelque chose, ben, ce sera bien encadré, bien sécurisé pour que ça pousse bien et que ça donne des tomates. Pour longtemps, surtout. Donc, continuez, suivez la vidéo, on continue. Rien de mieux que du bon caca. Donc, je fais le point quand même, même si je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, je le fais ici sur la permaculture. Donc c'est voilà, de prendre sa chaise, de s'asseoir et de regarder comment la nature est, comment elle se développe, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré, toutes ces choses-là. Et du coup, en étant assis là, j'ai fait tout ce constat, ne serait-ce que ça, voilà, voir qu'il y a du liquide dedans, pour que ça se décompose, ça va donner encore du liquide. Et comme ce sera entre du paillage, ça sera que bénéfique et ça perdurera pour humidifier les cocotiers. Donc voilà, dans l'ensemble, il faut juste regarder, ouais, et regarder à fermer au niveau des clôtures, tout ça. Au lieu de mettre, bon là il y a du fil de filet de pêche. Au lieu de laisser les filets de pêche, ce sera plus de mettre justement des petits arbustes comme ça qui permettront de faire une clôture et empêcher surtout les chèvres et les vaches de venir. Mais bon, les chèvres et les vaches, depuis qu'on est posté ici, viennent pas sur le terrain. Il n'y a que les singes qui viennent. Et les singes, on a beau mettre des clôtures, voilà. Bah, ils sautent, ils vont partout. Ces petits malins. Et donc pour eux, j'ai pas encore trouvé la bonne technique. Mais apparemment, quand ils viennent, ils ne mangent pas les petits pieds. Quoi. Ce qui pourrait les intéresser, c'est quand je vais commencer à mettre des tomates. Là, je pense qu'ils vont venir commencer à jouer dedans. Donc l'idéal, ce serait, comme je vous ai dit, en fait, la permaculture, c'est surtout s'asseoir et regarder les choses. Il faut savoir qu'on a mis une grande tente. Et la grande tente, elle est là. Et on est parti plusieurs fois. Et voilà, ils n'ont pas saccagé la tente. Donc l'idéal, ce serait un peu de faire une sorte de serre bien fermé pour mettre les légumes. Et là, au moins par rapport à l'expérience de la tente, faut savoir qu'ils vont pas forcément rentrer. C'est pas une certitude, mais ce sera à voir. Donc on verra le moment venu. Hey, du coup, vous vous rappelez de ça? Ouais, je vous mets encore la vidéo en haut à droite. En haut à gauche, pardon, elle est bestiole là. Je vous mets ça en haut à gauche. Normalement, quand on regarde, c'est à droite, pardon. En haut à droite. Donc, ça là qui était déjà plus ou moins défectueux quand je l'ai acheté d'ailleurs. Ouais, qui tient pas bien. Mais du coup, ça a quand même son utilité ici. Ouais, ça arrête pas de sauter, mais voilà. Bon. Donc, maintenant, opération, aller mettre le fumier autour. Et alors je sais que l'idéal ça aurait été de faire ça le matin, mais j'ai commencé, c'était à peu près le matin, c'est parce que le soleil il se lève très tôt et ça y va fort, du coup se lève, bon, il se lève pas vraiment, mais bon, du coup donc j'ai commencé ça, et ayant commencé déjà à la faire, je suis dans ma lancée, je continue.
Donc on est parti pour aller mettre ce fameux fumier. Alors comme je l'ai dit, le terrain il est peut-être pas, il est pas à nous, mais je vais laisser comme ça. Mais voilà, ça reste une sorte de formation de l'entraînement, de l'expérience. Alors dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que je fais mal, mais ça me permet d'apprendre pour faire mieux plus tard. Sur l'expérience. We'll be right back.
Mmh.